Avant que la vidéo ne commence, j'ai deux choses à te dire. Alors, la première, c'est que j'ai un Discord. Voilà, lien en description, n'hésite pas à rejoindre. Et la deuxième chose, c'est que je stream de façon régulière désormais le samedi à 15h. Donc voilà, n'hésite pas à venir à un de ces quatre, ça ferait super plaisir. Allez, bon visionnage. Et salut tout le monde les amis, c'est PlayerGamer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle invocation sur Sao Rising Steel. Nouvelle invocation les gens, aujourd'hui le nouveau EGO Ténèbres. On va tenter, alors honnêtement je vais pas tenter de ouf, hein, je vous cache pas. Avant toute chose, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner et un petit commentaire. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le feront. Bref, on va tenter le EGO, ouais comme je vous l'ai dit, hein, je vais pas tenter fort dessus. En vrai peut-être qu'on va se faire un step et le write up, peut-être. Bon, on va peut-être se faire juste ça parce qu'honnêtement... Bah ça me tente pas des masses parce que voilà j'ai déjà eu, alors vous savez hein, que moi les events genre ranking tout ça souvent je les fais vers la fin. Mais j'ai eu des échos comme quoi apparemment la team physique des deux ans lui roule dessus donc bon voilà quoi, c'est pas très très utile. Après après disons que c'est pour un collègue et pour jouer un perso exotique on va dire. Et puis bon c'est vrai que ok, on roule probablement sur le nouveau ranking, mais il y a l'Ultimate Battle. Et l'Ultimate Battle, on sait qu'on va pas lui rouler dessus, hein. Faut pas déconner. Donc bon, voilà quoi. Mais bon, c'est également, il faut pas claquer trop, quoi. Faut éviter de claquer trop non plus. On va, faut trouver le juste milieu, j'ai envie de dire. Bref. Donc du coup, au niveau du portail, petit résumé. Titania, je l'ai pas. Là, sinon, celui, je l'ai. Zéro doublon, je crois. Non, un doublon, il me semble. Donc bon, c'est plus la merde. Lifa, je l'ai bien sûr, elle est 120. Subtilizer, je l'ai, 105. Asnoandine, je l'ai, elle est level 100. Aidis, je l'ai, 105. Yuki, je l'ai, elle est level 100. Et le nouveau Geo qu'on va essayer de chasser. Même si en soi, c'est vrai que pour ce ranking, hein, si on pourrait choper, oh je sais pas, à tout hasard, genre par exemple les persos progressifs, genre Azuna, Mito, Kirito, tu vois. À tout hasard, juste comme ça, tu vois. Ça peut être sympa. Après, il y a la voix qui résonne dans le cœur, l'Aidis. Bon, je suis pas trop fan de cette Aidis là, même si pourquoi pas. Voilà, en vrai, il y a du perso. Hein. Il y a du perso. Ah, les persos feu aussi là. En vrai, surtout un physique feu. Oh, ça serait tellement incroyable. Mais c'est pour ça que devrait tellement garantir un R4 à chaque step. Ce serait tellement mieux. Bref, le step 1, les gens. On y croit. Let's go. Le Geo. Allez, let's go. Step 1. Ah, toucher l'écran bronze, ça commence mal. Oh, on sait que quand ça commence comme ça. R2. Ah, c'est pas passé. R2. Oh, Zinedine. Oh my god. Zinedine. Ok. Zinedine, les gens. Zinedine. Ok, si. Ça peut tomber à n'importe quel moment, les gens. Et oui, il fout de l'ascenseur. Ok. Alicia. Frenica. Ouh. Igom. Kibao. Ok, on enchaîne les R2 pour l'instant. Le stress. Putain. Silica R3. Igom. Allez, please. Un perso que j'ai pas. S'il vous plaît. Ok, là où il faut de l'ascenseur. Oh putain, le stress. Igom. Oh yes. Oh là là, le Geo qui tombe step 1, magnifique. Magnifique, quelle dinguerie. Bah alors là j'y croyais pas. Waouh. Non mais laisse tomber là, j'ai... Non mais là c'est trop là. Là c'est 15 janvier. Non 13, autant pour moi. 13 janvier. Non là c'est trop là. Non c'est trop, trop de chat. Daily chat. Non, beaucoup trop de chance. C'est, attendez, je vous dis un truc, genre ce jour même, le 13 janvier, c'est le fameux jour où j'ai drop RAM sur le Mudai. Trop de chance. C'est... Oh là là, et dernière carte en plus. Oh là là.
trop de chance. Non mais trop de chance, là à un moment... Non je suis désolé, mais là, non mais voilà, c'est bien, c'est sympa, le jeu il me fait oublier I10 finalement en 7 steps, donc ça fait plaisir, mais là... ah là c'est trop, là. Là c'est trop. Ouais du coup les gens en vrai, hein, apparemment c'est assez easy, j'ai envie de dire. Le ranking étage, donc en soi je vous conseille de partir physique. Apparemment physique ça passe. Mais du coup moi bah avec le jeu je vais l'inclure quand même dans la team. Mais je vais partir sur ça quoi. Ouais, honnêtement je vais partir comme ça. Je vais partir comme ça, ça me semble très bien. Bon bien sûr les armes hein, vous en doutez, ça va pas être ça hein, évidemment. Mais très très cool, le géo qui tombe, ça fait plaisir, incroyable. OMG franchement, waouh, que dire de plus. Ah non mais que dire de plus. Genre what the fuck. Je pars sur un step 1 en mode allez les gars on fait un step 1 et on s'arrête là. Hein, on se tape dans la main et on se dit à jamais finalement dans ce portail. Et incroyable quoi, ça tombe. Non mais insane, genre grosse dinguerie. Ah, que dire de plus, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire là, je n'ai pas les mots. Genre un petit step 1, ça fait plaisir. Hein. En plus, mon dernier step 1 est pas si vieux que ça. Hein. Dernier step 1, rappelez-vous, hein. Dernier step 1 c'est El Famoso Sinon. Des 2 ans. Donc en gros on a fait quoi? Sinon des 2 ans step 1. Après sinon il y a eu qui? Il y a eu Admin. Admin j'ai fait 5 steps. Et après il y a eu le portail neutre. Où j'ai fait 7 steps. Pour avoir les deux. Parce que Aidis m'a défoncé pour le coup. Aidis c'était une boucherie. Aidis elle m'a pas laissé respirer là. Elle m'a dit toi t'es mort. Donc bon, en vrai très content. Putain je n'y croyais absolument pas. Alors c'est un peu chiant du coup avec les IDs vu que j'en ai 3, c'est un peu relou au niveau armure en fait. Donc du coup, si vous avez ce même problème que moi, je vous conseille de mettre l'armure à IDs Alter. Parce que c'est elle clairement qui nuque le plus, qui fait le plus de dégâts. D'ailleurs, est-ce qu'on gagne une imagination de Géo? Je pense que oui. Hein. Ça m'étonnerait que non, quand même. Mais bon, c'est bien, c'est des imaginations pas limitées pour le jeu. Mais je crois que c'est de la merde. Hein. C'est vrai que d'ailleurs, j'ai pas parlé, je crois, des imaginations de Geo, ça me dit rien. C'est quoi ces imaginations, le Geo? Je m'en souviens plus. Je sais plus si je vous en ai parlé dans l'analyse. Augmente de 3% magie attaque. Ouais, non, c'est pas fou. Hein. Ah, c'est pas fou, franchement, il y a mieux. Il hein. Y a clairement mieux. Ouais, non, non, on va pas utiliser des lunes, ça va aller. non. Ça va aller, mais ouais, très content hein, ce Géo. Alors que certains détestent son chara-design. Ouais, en soi, je suis pas trop fan, pas se le mentir. C'est peut-être, je sais pas, c'est le béret peut-être qui fait ça. Je sais pas, genre, ouais, j'avoue que je suis pas trop fan non plus, mais bon. Après le level 100, il a quand même un petit truc, tu vois. Vous savez, le fameux effet flou. Fameux effet flou là sur les côtés, c'est pas mal. Ça donne un effet de mouvement, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et c'est vrai que du coup, le jeu a la nouvelle méca, c'est vrai. Et du coup, c'est bien, c'est que c'est un perso magique, donc vu que c'est un perso magique, c'est très cool pour mes armes. D'ailleurs, ouais, j'ai monté très récemment, j'ai chopé la dernière épée feu qui me manquait, donc comme ça, c'est cool. Cependant, l'épée lumière est meilleure. L'épée de l'Oni V1 lumière est meilleure que celle de Tizé V1, malheureusement. Mais bon, au moins, Tizé V1, ça va me servir pour une team feu magique, donc ça va être cool, quoi. Ça va être plutôt cool. Donc ouais, donc Géo il a une armure en plus. En plus c'est vrai que maintenant ouais il a une armure avec Géo Lumière, ce BG. Donc non c'est très cool. Très cool. Donc ouais je pense que je vais pas jouer à Lisbeth hein, dans la team. Pas besoin. Je vais sans doute monter 105 Géo pour le passif. Comme je vous l'ai dit, hein, le fameux E là. Le fameux E qui fait... bah finalement vu que c'est un DPS et un support. Donc je vais le monter pour le E pour l'avoir plus rapidement. Je vais certainement le 105. Mais après, hormis ça, je pense que je vais écho hein, niveau lune. Je vais juste faire un 105 Géo et basta quoi. Enfin voilà, bah écoutez, incroyable. Incroyable, genre insane. Insane cette multi. Bah j'espère que vous avez eu autant de chance que moi les gens. Donc c'est cool. On se fait un petit step 1. Donc voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour vos invocations. Je sais pas quand je vais mettre cette vidéo, mais voilà, c'est une grosse dinguerie. Bref, c'est une grosse dinguerie. Juste point faible trop fort, j'ai envie de dire. Point faible trop fort. Enfin voilà, merci à regarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo, à vous abonner et un petit commentaire. Ça soutient énormément la chaîne, comme je le dis à chaque fois. Donc merci à tous ceux qui le feront. Et également, bah, si vous voulez m'envoyer vos invocations, il y a le Discord. Il y a un salon vos invoques YouTube une fois que vous êtes accepté.
de Discord, il y a un salon Vos Invoques pour YouTube, et vous avez un Google Drive, voilà, vous postez votre vidéo, et du coup je réhack tous les samedis environ, voilà, dans une petite vidéo. Allez, ciao ciao, bye tout le monde.